Alléluia. Si on vous donnait les noms du Seigneur, vous n'alliez pas comprendre, parce que le Seigneur en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, bien-aimés. Vous savez, il est Jéhovah. Il est Jéhovah. Il a beaucoup de noms. Le Seigneur n'est pas comme toi et moi. Nous pouvons avoir un, deux, trois prénoms. Mais le Seigneur, il a toute une multitude. Jéhovah, El Jiré, El Shama, El Gibor, El Kaoudi, El Sabaoth, il en a beaucoup de noms. Alléluia. Béni soit le puissant et merveilleux du Seigneur. Si quelqu'un me donne un peu d'eau, je vais dire merci. Non, pas de déclasser, non, sinon. Alléluia. Quelqu'un est heureux? Qui dit amen? Ça va, Fabino, ça a été la semaine? On pensait beaucoup à si maintenant, il m'a prié l'éternel, à nos forces. Alléluia. Alléluia. Jéhovah. Et son nom, ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu bien-aimé, d'éternité en éternité, ce Dieu qui nous a fait grâce, ce grand Dieu tout-puissant, dont la terre ni l'univers ne peut contenir, bien-aimé, parce que la terre est entre ses, dans sa main comme ça. Est-ce que la question qui me vient dans la tête que je puisse te poser, c'est cela? Dis-moi. Quand tu as quelque chose dans ta main, est-ce que tu vois tout ou tu vois une partie, tu ne vois pas le reste? Tu vois tout? Tu vois tout. Si tu as quelque chose dans ta main et que tu regardes, tu vois tout. Il y a rien qui va aller se cacher, madame, je crois que tu vas. Tu vois beaucoup de main, tu mets dans ta main, tu as une fourmi, tu vas le voir. C'est pas comme nous. Oui, c'est pas la même qui va se cacher sous le pied, tu le vois. Parce qu'il est là. Ceci, c'est pour que toi et moi nous puissions comprendre que la terre est ainsi dans les mains de Dieu. Est-ce que tu comprends pourquoi on te dit que Dieu est ici? Il est aussi en Chine. Il est aussi en Alaska. Est-ce que tu as compris? Parce que la terre, c'est dans sa main là. Comme ça. Donc, il voit tout. Il voit tout. Quel que soit là où nous allons nous cacher, il nous verra. D'accord? Surtout, Dieu a des yeux partout. Pour te dire, bien-aimé, les trois êtres vivants dans les cieux. Venez avec moi. Afin que nous puissions comprendre mieux ce que le Seigneur est en train de nous dire déjà là en introduction du message, bien-aimé. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Viens avec moi dans Ésaïe. Puisque c'est Ésaïe que le Seigneur a montré ces choses et que Ésaïe, il a tremblé, bien-aimé. Ésaïe, que le Seigneur a montré ces choses. Ésaïe, Ésaïe, que le Seigneur a vu, le Seigneur a montré ces choses. Ésaïe, le Seigneur montre ces choses.
Bien-aimé, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe le chapitre 6. Et je vais commencer à partir du verset 1er où il dit l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bien-aimé, une chose que je veux te dire, ce que Ésaïe a vu, c'était sous ce ciel-là ou sur un autre ciel? Sous ce ciel-là. Alléluia. Ce ciel-là que toi et moi nous voyons, c'est le ciel que Ésaïe devait la tête et il voyait. D'accord? Parce que ce ciel-là, c'est le ciel après le déluge. D'accord? C'est ce ciel-là. C'est ce même ciel-là que Ésaïe, il était sur la terre. C'était sur cette terre-là ou une autre terre? Sur cette terre-là. Donc, d'accord? Donc, nous parlons de choses bien véritables. Sur cette terre-là, il te dit que l'année de la mort du roi Ozias. Pourquoi? Parce que le roi Ozias, c'était un roi puissant, bien aimé, et un roi très, très, très bon pour Israël. Et comme il était très bon pour Israël, Israël ne regardait que le roi. Et Israël ne voyait pas son roi. D'accord? Israël ne regardait que ce roi-là, le roi Ozias. Donc, toi et moi, nous allons comprendre que celui qui a de l'argent, il ne voit que son argent. Tu comprends? C'est pour lui que dit que là où ton trésor est, c'est là que ton cœur sera. Tu comprends? Là où ton trésor est, c'est là que ton cœur sera. Si tu as beaucoup d'argent, ton cœur est connecté sur cet argent, c'est ton trésor. Donc tout sera pour toi, sera connecté sur cet argent. Comme ce roi était si bon pour Israël, Israël ne regardait que ce roi-là et ne regardait pas là-haut. Finalement, Dieu a enlevé le roi. Et quand Dieu a enlevé le roi, là maintenant, Dieu a ouvert les yeux d'Israël afin qu'il puisse voir que son roi est là-haut. Et il te dit, Ésaïe te dit, l'Éternel sur un trône très élevé. Et il te dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia, ça veut dire là-haut il y en a un. D'accord. Effectivement, et il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Frère, moi, nous n'avons jamais vu un séraphin. Mais si nous voyons un séraphin, nous tombons. Blum. Nous ne pouvons pas le regarder tellement qu'il est, comment? Saint. Pourquoi? Parce qu'un séraphin, c'est un ange direct à la connexion de Dieu. D'accord? Les séraphins, ce sont des anges directs en connexion de Dieu. Il te dit, ils avaient six ailes. Dont deux, ils se couvraient la face. Deux ailes, ils se couvraient le pied. Et avec deux ailes, bien aimé, est-ce que tu as déjà imaginé cette image que Ésaïe peut voir? Un séraphin. Six ailes.
avec deux ailes, il se couvre le visage, avec deux ailes, il se couvre le... Imaginez, si on a imaginé, non, imaginez, c'est... Il t'a dit, je connais pas. Tu as déjà imaginé une image pareille. Et il te dit, avec deux autres ailes qui se servaient pour pouvoir voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et bien aimé, il te dit, un séraphin, c'est un ange qui est constamment au contact du feu. Ce n'est pas ce feu dont toi et moi nous connaissons, d'accord? Non, ce n'est pas ce feu-là. Ce feu-là pour un séraphin, c'est rien. Mais le séraphin est au contact de Dieu parce que Dieu est quoi? Est un feu dévorant. Donc, un séraphin est un ange qui en a des yeux partout. Est-ce que tu comprends? Dans d'autres moments, vous avez les séraphins, vous avez les êtres vivants dans les cieux. Ces êtres vivants directs qui sont au trône de Dieu, à la protection de Dieu, ce sont des êtres bien-aimés qui ont des yeux partout. Ce sont des êtres bien-aimés qui ne citent pas la Bible pour pouvoir nous révéler comment ils sont. Eh bien, jamais nous ne saurons comment que ces êtres sont. Ils sont terrifiants. Ils ont des ailes. Il y a des yeux sous les ailes partout. Des yeux sur les ailes. Des yeux dans tout. Bien aimé, ils ont des yeux partout. Dans notre moment, il dit, ils voient tout. Ils voient tout. Et la description de la Bible dont nous avons de Dieu, ce sont les êtres que Dieu a créés, bien aimé. Et la description dont nous avons de Dieu, bien-aimé, effectivement, de la Bible, Dieu, c'est le grand aigle des cieux, dont, eh bien, le prophète Jérémie a vu. Comment que quelqu'un peut voir Dieu, si ce n'est Dieu lui-même qui va se révéler à cette personne? Si ce n'est Dieu lui-même qui vient se montrer? Bien-aimé, le prophète Jérémie, voilà, en son temps, Dieu lui a fait voir qui il est. Moi, je veux voir arriver dedans, et voilà, effectivement, bon, le Seigneur m'a conduit dans les chemins, mais je n'ai pas ça, hein, vous savez, je dis, il était à l'endroit. Donc tous mes appareils sont occupés, donc je suis bloqué. Le prophète Jérémie a vu le grand aigle des cieux. Le grand aigle des cieux, bien-aimé, qui n'est autre que l'Éternel des armées. Quelqu'un peut me trouver ce verset-là? Dans Jérémie, là. Oui, Jérémie a vu le grand aigle des cieux. Afin que tu saches que le grand aigle des cieux est déjà venu plusieurs fois sur la terre. Il est venu en 2012 se présenter au puissant prophète. Le grand aigle des cieux, il est venu aussi le 1er décembre. Qu'est-ce qui peut me rafraîchir la mémoire? Ancienne ligne?
Bon, tu n'étais pas connecté. Il est venu le 22 décembre, voilà, ça me revient, 2019. Le grand aigle des cieux, que lorsqu'il descend, il couvre, bien-aimé. Le grand aigle des cieux, le voici le grand aigle des cieux. Regarde, est-ce que tu comprends un petit peu l'image? Ce nuage que tu vois là, voici le grand aigle des cieux. C'est l'Éternel lui-même qui est là. Regarde un petit peu la ville là et regarde un petit peu le ciel. Le grand aigle des cieux. Le grand aigle des cieux. Bien aimé. S'il se montre à nous, nous mourrons tous. Personne ne dit amen. Amen. S'il s'était montré directement là, tous mourraient. Excepté un, le prophète. Sinon, tout le monde mourrait. Oh, j'étais loin, où là? Ouais, j'ai pas mes appareils. Le grand aigle des cieux. Le grand aigle des cieux est bien aimé. Le grand aigle des cieux, Jérémie 22, verset, je ne suis pas le temps, 22, voilà Jérémie, voilà. Avec ses prophètes. Ce texte nous le rappelle si bien dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, bien aimé, juste avant que Dieu détruise Sodome et Gomorre, Dieu s'est dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai décidé de faire? Dieu a dit non. Je vais révéler à Abraham ce que je dois faire. Et c'est de là que nous comprenons, il nous dit que Dieu n'a pas de secret avec ses prophètes. Comprends qu'un prophète n'est pas quelqu'un comme toi, n'est pas quelqu'un comme moi. Bien que nous le regardons, nous voyons que c'est un homme comme nous. Mais ce n'est pas quelqu'un comme nous. Un prophète, je veux dire, c'est quelqu'un de bizarre. Quelqu'un comprend? Un prophète, c'est quelqu'un de bizarre. Si Dieu veut qu'il reste un mois sans boire et sans manger, il reste un mois sans boire et sans manger et tombe pas. Amen. Toi et moi, à peine que nous faisons 4-5 jours, nous sommes déjà au bout de force. Hein? Un prophète, si Dieu veut qu'il reste un mois sans rien, il reste un mois sans rien et il a toutes ses forces. Donc, un prophète, c'est quelqu'un de bizarre. Pourquoi? Bien, à cause de cela, parce qu'un prophète, eh bien, c'est quelqu'un que Dieu s'est préparé lui-même et s'est accaparé de cette personne. Et que cette personne, eh bien, donne les oracles de Dieu. Personne ne comprend. Est-ce que quelqu'un a compris lorsque le 1er janvier, le 5 janvier de l'année, nous sommes en 2023, en 2021, voilà. En janvier, vers le 5 janvier 2021, voilà. La prophétie est sortie, il y a une guerre qui vient sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Personne n'a pas compris. Personne n'a rien compris.
C'est sorti de la bouche du prophète du Seigneur. Personne n'a rien compris. Quand le coronavirus est sorti dans sa bouche, le 1er décembre 2015, est-ce que quelqu'un a compris? Personne n'a rien compris. Quand Dieu a annoncé le coronavirus dans sa bouche, personne n'a rien compris. Un prophète, c'est quelqu'un de bizarre. Alléluia. Non seulement c'est quelqu'un de bizarre, mais un prophète, c'est quelqu'un d'incompréhensible. Ce que toi et moi, nous devons faire, c'est simplement croire à la parole du prophète. À savoir que le prophète ne parle pas de lui-même. Et que le prophète est simplement un instrument utilisé par Dieu. Donc, bien aimé, voilà ce qu'il nous dit ici. J'avais mon verset, c'est vrai, il est sorti. Il est parti, oui. Voilà, 49, il est voilà. Écoutez, bien aimé. 49, 22 du prophète Jérémie. Voilà que Dieu va se révéler à son prophète. Dieu va se montrer à son prophète. Voici que tel l'aigle, il monte, il vole. Et même pas celui-là que je voulais, il y en a un autre. Hein. Il déploie ses ailes sur Bosra. Non, c'est pas celui-là que je cherche. Comme le cœur. Non, c'est pas celui-là que je cherche. Non, c'est pas celui-là. Il y a un autre. Il y a un autre. Où Dieu se montre. À 2020.
Ouais, c'est la gloire mondiale 2020-2021. Bien aimé. Juste avant, comment dire que, comment je vous dis ça, vers 2020-2021, voici le Seigneur le montre, le grand aigle des cieux, qui vient. Il vient. Dieu lui montre le grand aigle des cieux en train de descendre sur la terre, dans une vision, dans son sommeil. Le grand aigle vient. Et finalement, pendant qu'il voit le grand aigle est venu, debout la victoire qu'il est arrivé. D'une fraction de seconde, il est déjà arrivé. Quand il est déjà arrivé, lui-même, il a pris sommeil. Et quand il s'ouvre ses yeux, il a vu déjà que le grand aigle est déjà très loin là-haut dans le ciel, est déjà reparti. Et le grand aigle lui fait savoir qu'il vient de frapper la maison blanche. La prophétie, là, tu parles de Saint-Internet. Et une semaine après, qu'est-ce qu'on apprend? Le président des États-Unis a contacté le coronavirus. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, bien-aimé? L'homme du pays, le numéro 1 au monde, vient de contracter le coronavirus. Le grand aigle des cieux est sorti là-haut des cieux et a frappé la maison blanche qui est reparti. Alléluia! C'est puissant, bien-aimé! N'est-ce pas? Le Seigneur, notre Dieu, notre roi, le grand aigle des cieux, le Seigneur Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Donc, bien-aimé, c'est sérieux que les hommes puissent vouloir faire des images de Dieu. D'accord? Rien que les hommes puissent vouloir faire des images de Dieu. Dieu ne ressemble pas à un homme, d'accord? Alléluia! Dieu ne ressemble pas à un homme. Lorsque la Bible parle que Dieu créa l'homme à son image, c'est pas de la façon dont toi et moi nous devons comprendre que, ah oui, j'ai un fils qui me ressemble beaucoup, j'ai une fille qui me ressemble beaucoup. C'est pas de cette façon-là. Alléluia! Ce n'est pas de cette ressemblance. Alléluia! Ce sont des choses puissantes, bien-aimées et élevées qui vont fortifier notre foi. Amen. Venons, continuons le message du Seigneur, bien-aimé, dans le livre de Colossiens. Nous étions dans le livre de Colossiens, le chapitre 2 du livre de Colossiens, c'était ça. Oui, voilà, le chapitre 2 de Colossiens. Le mystère, le verset 3, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Bien-aimés, quel est le mystère? Tous sont cachés, tous les trésors de la science et de la sagesse. Quel est le mystère? Le mystère, c'est Christ, mon frère, ma soeur. Christ, c'est le mystère dans lequel, eh bien, tout est caché. C'est le mystère, bien-aimé, dans lequel tout est caché. Jésus. Et lorsque tu vas au verset 10, dans le verset 10, Colossiens, chapitre 2, verset 10, il nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. En ce mystère, nous avons tout bien aimé en Jésus. Vous savez, lorsqu'il te dit que tu as tout en Jésus, bien-aimé, tu as réellement tout. Avec Jésus, lorsqu'il te dit que tu as tout, tu sais qu'avec Dieu, tout fonctionne par la foi. Tout fonctionne dans l'invisible.
Tout fonctionne dans l'invisible. Il nous invite à croire en l'invisible. Et mais je vais te dire une chose. Est-ce que tu penses que c'est facile de croire en l'invisible? Est-ce que c'est facile de croire en l'invisible? Mais par contre, s'il y en a une chose invisible que toi, tu crois, toi et moi, nous croyons, c'est que nous croyons, nous travaillons tous les jours, n'est-ce pas? Nous croyons qu'en fin de mois, comme on dit ici, ça va tomber, n'est-ce pas? Ça va tomber sur le compte. N'est-ce pas, Paul? Il ne pas ce qu'on dit. Hein? Ouais, ou bon? Nous croyons qu'en fin de mois, ça va tomber sur le compte. N'est-ce pas? Ah oui, ça quoi? En fin de mois, ça va tomber sur le compte. On croit. Et pourtant, on ne le croit pas encore, mais on croit que la fin de mois, ça va tomber. Eh bien, c'est, tu sais, le corps dont il nous appelle, c'est pas ce corps-là. Tu ne le vois pas, mais il faut le croire. C'est à peu près ça. C'est juste pour que je puisse expliquer à peu près ça. Tu ne le vois pas, mais il faut que tu le crois. C'est pas ce qui arrive, bien aimé. Tu travailles tous les jours, tu te lèves tous les jours. Est-ce que tu vois l'argent qu'on va te donner en fin de mois? Non. Mais en fin de mois, il est là parce que tu y vas. Pourquoi tu y vas tous les jours? Parce que tu crois fermement qu'en fin de mois, ça va tomber là, sur le. Effectivement, en fin de mois, ça tombe. Et pourquoi tu ne veux pas croire en Jésus de cette façon-là? Nous sommes malades. Nous restons avec nos maladies. Nous avons des douleurs au dos, des douleurs au bras. Nous restons avec nos douleurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suffisamment de foi. Et c'est quoi la foi? C'est de croire en l'invisible. C'est de croire en l'impossible. De croire en l'invisible, de croire en l'impossible. Bien aimé, lorsque les hommes construisent un avion, faites attention, les hommes construisent un avion, cela pèse 30 tonnes. Est-ce que tu as une idée de 30 tonnes? Toi et moi, nous n'avons pas la possibilité de comprendre c'est quoi 30 tonnes. Mais moi qui suis dans les trucs lourds de par mon travail, je sais c'est quoi 30 tonnes. D'accord? Parce que quand je prends un camion qui pèse 25 tonnes et que je suis dedans, je roule sur la route, je sens que la façon que ça va, je sens que c'est très lourd. Donc je m'imagine un avion de 30 tonnes. Pourquoi l'avion vole avec ce poids-là? Alors que toi, tu essaies de faire ça, tu n'arrives pas à rouler. Tu pèses à peine 50, 60, 70. Eh bien, bien-aimé, c'est parce que les hommes ont cru. Parce que les hommes ont cru, si nous mettons des chevaux de la puissance, nous allons le faire voler. Et les hommes, mes bien-aimés, ils ont lutté, ils ont mis tout ce qu'il fallait, ils ont fait leurs études, ils ont mis tout ce qu'il fallait, et puis voici, bien-aimés, l'avion de 30 tonnes vole dans le ciel. Ça, c'est une croyance. Tu as compris? Ceci, je prends ces exemples, c'est pour te montrer la puissance que peut avoir la foi. Toi et moi, quand tu regardes ça, tu dis, mais non, ça ne peut pas voler. Ça ne peut pas voler, c'est trop lourd. C'est possible. Si tu crois réellement, c'est possible. Donc il est en train de nous dire, bien aimé, que nous avons pleinement toutes choses en lui. Lui qui est le chef de toute domination
et de toute autorité. C'est-à-dire, l'autorité qui est là, qui nous empêche d'avoir la foi, Jésus est au-dessus de cette autorité-là. Voilà, bien-aimé, notre grand problème. Et tu comprendras que là, c'est une grâce de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu, bien-aimé. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Quand quelqu'un a la foi, bien-aimé, c'est merveilleux. Quand quelqu'un a la foi, c'est puissant. C'est, on va dire, quand quelqu'un a la foi, c'est inimaginable de voir la vie de cette personne. Sa vie, bien-aimé, c'est une vie de miracle. Quelqu'un qui a la foi, sa vie, c'est une vie, on va dire, c'est une vie qui sort de l'ordinaire. Quand tu as la foi. Quand tu as la foi, tu n'as peur de rien. Tu ne recules devant rien. Rien ne t'arrête. Quand tu as la foi. Quelle foi? Pas dans les choses de la terre, mais la foi en Jésus Christ. Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. Jésus-Christ, quand tu as la foi en Jésus, Jésus, l'auteur de notre foi, tu es quelqu'un dont partout où est-ce qu'il mettra la main, il réussira. Juste avant que je puisse venir dans mon verset, je prends avec toi ce psaume. Venez avec moi au psaume, dans le psaume premier. Le premier livre des psaumes. Et ainsi, bien aimé, tu comprendras que celui qui a la force, celui qui a la foi, à partir du verset premier, celui qui a la foi, à partir du verset premier, du psaume premier, tu comprends, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Celui qui a la foi ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un a compris? Celui qui a la foi en Dieu, en Jésus, ne marche pas selon le conseil des méchants. Il n'a aucun conseil à recevoir des méchants. Quelqu'un comprend? Mais il te dit, il ne s'arrête pas non plus sur la voie des pécheurs. Non. Parce que sa foi est basée en Dieu. Il te dit, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite cette loi jour et nuit. Est-ce que tu vois d'où la foi en a son fondement? Toute notre foi est alimentée. Alléluia. La foi qui va te permettre de croire et de faire attention à la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est celle-là. Et écoute ce qu'il te dit, le verset 3. Le verset 3, il te dit, cette personne qui fait attention, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cela veut dire quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Cela veut dire, partout où est-ce qu'il va y mettre à sa main, ce sera une réussite. Partout où il mettra sa main, ce sera une réussite. Lorsqu'il arrivera quelque part, un endroit, eh bien, cet endroit sera béni à cause de lui.
Bien-aimé, rappelle-toi que la terre a été maudite à cause de Adam. D'accord? À cause de Adam. Et que Jésus est venu afin de briser cette malédiction-là. D'accord? Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour briser cette malédiction-là et réparer, pour faire réparation. Donc, celui qui en a cette foi-là, prend garde. Et bien aimé, tu sais que là, comme je viens de dire ça, ta foi, notre foi, est constamment attaquée. Constamment, notre foi est attaquée. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un manque de foi, à partir du moment qu'il manque de foi, il va perdre la grâce. Quelqu'un a compris? À partir du moment qu'il perd la foi, sa foi est attaquée et a été touchée, automatiquement, il perdra aussi la grâce. Parce que quand tu perds ta foi, eh bien maintenant, tu vas entrer sur une voie où tu feras des choses qui vont simplement attrister le Saint-Esprit du Seigneur. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il dit, mais si tu attristes le Saint-Esprit du Seigneur, eh bien, il te sera demandé des comptes. Hein? Il te sera demandé des comptes. Il va te demander des comptes si tu attristes son Saint-Esprit. Il va te demander des comptes. Il va te demander des comptes. Romains chapitre. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9, il m'a dit, pour vous ne saviez-vous pas, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ne vivez pas selon la chair. Comment ne puis-je pas vivre selon la chair? Rappelle-toi de ce que nous venons de lire, le psaume 1er. Nous ne devons pas vivre selon la chair, selon notre propre convoitise, selon notre propre volonté. Nous ne pouvons pas faire les choses, bien aimés, avec notre propre volonté. Comment je vais vous expliquer cela? Mais nous devons tout faire, bien-aimés, selon la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu que tu te réveilles tous les matins, que tu vas au travail? Oui, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, c'est à force de sueur que tu vas enlever ton pain de la terre. Donc, c'est de la volonté de Dieu dont tu vas tous les jours au travail. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tous les jours, nous devons travailler. Mais est-ce que le travail doit prendre la place de Dieu? Non. C'est de la volonté de Dieu que nous allons travailler. Mais le travail ne doit pas prendre la place du Seigneur dans nos vies. Le Seigneur, il est le roi, il est le maître de notre vie. Si on devait choisir entre le Seigneur et le travail, eh bien, sache que le travail est bon. D'accord? Reste là, mais j'ai un choix à faire. Je ne peux pas te choisir. Parce que toi, tu ne peux pas me donner la vie. Tu peux me nourrir. Mais Dieu me donne la vie comment? Éternelle. Donc, je préfère choisir celui qui est plus élevé. S'il y a un choix à faire, donc je choisirai, bien aimé,
je choisirai le Seigneur parce que c'est la volonté du Seigneur, de choisir le Seigneur. Donc, il continue ici pour nous dire, il continue. Il continue ici pour nous dire. Il continue pour nous dire, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Il le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous comprenez, l'apôtre, il fait une virgule ici. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et l'homme qui vit selon l'Esprit, c'est ce que nous venons de voir dans le psaume 1er. Et on dit ici, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, il y en a un parmi nous, bien-aimés, qui pensent que l'Esprit de Dieu habite en eux, mais finalement l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. C'est quoi il dit? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. D'accord? Non, frère Bruno, prêtez-les-moi, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Sinon, vous venez ici à moi. Hein. Toute louange, je vais tout faire, vous prenez tout. Il ne faut jamais faire ça. C'est terriblement puissant. C'est terriblement puissant. Ça va passer ici, hein, c'est ça, puissant. Voilà. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est terrible. C'est terrible si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. C'est terrible. Il te dit que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, eh bien, tu n'appartiens pas à Dieu. Puisqu'il te dit ici, la fin du verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas appartenir à Dieu? Je ne pense pas. Je pense que tous ici veulent appartenir à Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. Personne ne veut appartenir au diable. Ah oui. C'est terrible, hein? Personne ne veut appartenir au diable. Et pourtant, les personnes font ce que le diable aime. Est-ce que tu comprends? Les personnes font ce que le diable aime. Faites attention. Des fois, nous prenons le message du Seigneur à la légère. Oui, effectivement. Mais sachez une chose. Le message du Seigneur est prêché. Le message du Seigneur est prêché. Mais s'il y a quelque chose que toi et moi nous devons comprendre, le message est prêché. Le pasteur qui est là n'a rien à voir avec le message. Le message n'est pas de moi. Est-ce que la Bible, c'est de moi? Ce qui est marqué là, c'est de moi? Non, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Donc, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et je vais attirer votre attention, bien-aimé, puisque le moment s'est présenté, il faut que je parle de ça. Vous savez, il y a l'église de Jésus qui marche dans la sainteté, et vous avez l'église
marche pas dans la sainteté. Vrai ou faux? Je veux que vous sachiez et que vous voyez la différence. Vous avez l'église qui marche dans la sainteté. L'église qui marche dans la sainteté, qu'est-ce qu'il fait? Il craint Dieu. Il donne la révérence à Dieu. Il donne la révérence à Dieu. Lorsqu'ils ont choisi d'adorer Dieu, vous voyez, lorsqu'ils ont choisi, par exemple, ils vont prendre 15 minutes de prière. Ça, c'est une adoration. Ils vont là dans l'adoration, ils vont dire, bon, 15 minutes là, j'ai 15 minutes, je vais adorer le Seigneur. 15 minutes, ils vont se prier, ils vont prier. Et quand le téléphone sonne, qu'est-ce qu'ils font? Je suis venu prendre 15 minutes pour le Seigneur. Le téléphone sonne, on va laisser son même. Parce que écoute, si je vais l'été, j'ai déjà coupé mon adoration. Ça, c'est de la révérence. Mais par contre, l'église là qui va marcher n'importe comment, il fait du n'importe quoi. Téléphone personnel là, téléphone personnel. Dans le culte, on va dans le téléphone personnel, tout partout. Tu peux nous garder un téléphone. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Non, c'est très sérieux, c'est pas une blague, hein. C'est très sérieux. Lorsqu'il te dit révérence à Dieu, je viens adorer Dieu, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures, ma carte est importante. Je viens adorer Dieu, j'ai tellement de temps. Pourquoi? Je veux te dire quelque chose. C'est pas parole pasteur. Pasteur, l'Éternel a enseigné ça longtemps. Le culte est en train de moi, je suis venu, j'adore le Seigneur, vous adorez, etc., etc. Ça peut arriver que tu aies oublié d'éteindre, tu as oublié d'éteindre le portable, depuis son état, ça y est, voilà, ça tu l'as éteint, tu continues dans ton adoration. Pourquoi penses-tu que le portable sonne? C'est pour couper. Toi, tu es un esprit qui craint Dieu. Tu viens adorer Dieu. Pour tu es un homme qui a pour la pâte et venir adorer Dieu. La personne sera utilisée. C'est pas pour moi qui n'y a rien, non. Ça, ça peut être un madame ou laisser la maison. Ça peut être. C'est pas pour moi qui n'y a rien, mais c'est la personne qui se cache derrière. Tu coupes l'adoration. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a plus de 25 ans que je joue de cet instrument, je suis dans la louange pour le Seigneur. On avait la répétition. Tous les samedis après-midi, on avait la répétition. Le Seigneur m'a dit, c'est pas mon qui dit moi, bon Dieu parle par moi, il donne moi. Il m'a dit, mais c'est à quelle heure la répétition? Il dit, mais c'est à 15h. Il m'a écouté. À 15h la répétition, on dit oui, à 15h la répétition. Bon, d'accord. Quand tout le monde arrive, ferme la porte. Ceux qui sont arrivés en retard, ils vont retourner. Quand il m'a dit ça, faites attention. Quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça dur. Tiens, non, j'ai trouvé ça dur. Pourquoi il m'a répondu? Moi, j'ai trouvé ça dur quand il m'a dit ça. J'ai rien fait. J'ai dit, j'attends tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il y avait une soeur parmi nous dans la répétition, il a parlé à la soeur la même chose. Et puis la soeur m'a dit, mais pasteur, j'ai quelque chose que je veux te dire, et effectivement, c'est sur mon cœur. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ma soeur, merci. Et je demande au Seigneur, moi, je demande, pardon. Parce que tu es déjà parlé pour moi. Donc quand on entre, ferme la porte. Pourquoi? On m'a dit, mais pourquoi? Non, parce que vous êtes en train d'adorer. L'onction est là. Parce que quand tu adores, c'est pour te dire que Dieu habite dans l'adoration. Quand tu adores, l'onction est là. Quand quelqu'un vient, frappe à la porte,
vous allez ouvrir, vous arrêtez tout. Mais oui, vous arrêtez tout, l'onction ça tombe et il ne revient pas. Je vais donner un autre exemple. L'ancienne Jeanne, ma femme, elle a fait un petit coin où elle, pour Dieu, il est enterré à Adam, c'est puis gardé pour faire là, surtout pour faire là, c'était avant, pendant qu'on a vu ça, toute la partie, toute l'église s'est fermée, donc toute la partie a fait en direct, et puis là-bas au Kenya, donc lui-même, petit côté de là, c'était pour lui, pour prier, et puis pour garder pour faire là. Bien-aimé, il est arrivé un moment où l'endroit avait une onction. L'endroit avait une onction. Toi qui connais Dieu, quand tu entrais là, tu sentais qu'il y avait, quelque chose de double. L'onction, faites attention. Et un jour, quelqu'un est venu à la maison. Quelqu'un est venu à la maison qui voulait parler avec elle. Elle ne connaissait pas la vie de cette personne. Elle a fait la personne entrer là. Et cette personne était dans le péché. Et pas n'importe qui péché, hein? Péché sexuel. Le plus terrible. Quand cette personne est partie, après il y a une vie. Elle a senti que l'onction n'est plus. L'onction est partie. L'onction, et jusqu'à maintenant, elle est en train de souffrir, demander, Seigneur, redonne-moi l'onction qu'il y avait là. Pas prier devant Dieu. Quand tu es venu adorer Dieu, réponds pas à ton portant, et tais ton portant. Sinon, tu es venu pour rien. Tu es venu, tu t'es repenti, tu as adoré, et le portant, là, qui a sonné, tu as tout perdu. Rappelle-toi ce qu'il dit. Garde ce que tu as afin que personne ne puisse le prendre. Pourquoi? Ce que toi tu as, ce que moi j'ai, il y a quelqu'un qui veut toujours me voler. Bien-aimé, tu achètes un engin, tu souffres. Encore des fois, Bruno, allez là, il fait ce job là, il ramasse ce petit l'argent, tout doucement, il gâche l'anti-engin, puis imagine, sous bâche en quatre là, même joie aussi. Parce que partout où est-ce que tu vas avec ton engin, il y a quelqu'un qui te surveille. Voici, tu le laisses là, ça attaché, puis il fait ça. C'est la même chose. Rappelle-toi, ici, il s'agit de. La vie éternelle. Toi et moi, à l'éternel, nous allons arriver. Parce qu'il va arriver. Non. Parce qu'il va arriver. Nous sommes tous en train de lutter pour nous laisser arriver. Mais il y a quelqu'un qui est en train de nous surveiller. Pour nous faire tomber. Garde ce que tu as afin que personne ne vole ta couronne. Ceci, c'est de la révérence à Dieu. Ceci, c'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la révérence pour Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, ou pas rentrer en ciel. Tu as entendu? Amen. Ce que nous venons de lire là, Ésaïe chapitre 6, Séraphin, c'est pas le monde qui a marché à souterre, c'est pas le monde qui a péché. Séraphin, c'est quoi? Ce sont des anges saints. Mais oui, ce sont des anges saints. Des ailes, il y aura pour lui des pions. Visage, des ailes, il y aura pour vivre bien. Et puis, des ailes, il y aura volé. Et il y aura dit, c'est, tout ça. Il y aura joué ping-pong, pong. C'est, l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ça, 24 heures sur 24. Des séraphins, ce sont des anges saints, bien-aimés. Or, nous sur la terre, nous ne sommes pas capables de gloire. Ne pas capable, comment je vais dire ça, donner la révérence, la soumission, la crainte. C'est ça
ça, bien aimé. Dieu est parmi nous, oui ou non? Amen. Oui. Dieu est parmi nous. Nous ne sommes pas obligés de le voir avec nos yeux. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Seigneur est parmi nous. Et ça, ce sont des choses que nous devons, quand l'occasion se présente, nous devons dire ça. Parce que frère, pas tout court. On sûr que frère, nous frère, nous pas tout court dit ça. Après, frère, pas tout court dit ça. Non, 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 non. Pour l'Éternel, il n'y a pas d'excuse. T'inquiète pas. Devant l'Éternel, c'est devant le juge là. Tu sais, moi j'ai déjà eu des occasions où je me suis trouvé. Attends. J'ai déjà eu des occasions où je me suis trouvé en train d'assister au tribunal. Tu sais, chaque homme a une excuse. Chaque homme a une excuse. Je me suis trouvé là, j'étais en train d'observer. Il y avait plusieurs procès. Et j'étais là en train d'observer. À partir du moment que tu te trouves là, il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi il te dit que le jugement est sans miséricorde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu t'es trouvé en jugement, c'est parce que tu es condamnable. Voilà. Donc, devant Dieu, il te dit devant Dieu, toi et moi, nous devons. Seigneur, c'est toi. Pardon, Seigneur. Pardon. Je ne savais pas. Seigneur, je n'ai pas compris. Je ne savais pas. Seigneur, pardon. Devant le Seigneur, il te dit, toute bouche doit rester ferme. Il te dit, toute bouche doit rester simplement ferme. Parce que le Seigneur, il est élevé au-dessus de toute chose. Je vais attirer ton attention, mon frère, écoute. Penses-tu que la guerre qui est venue là, cette guerre a été prophétisée en janvier, ensuite en juillet. La guerre a été prophétisée en janvier 2021 et en juillet 2021. Donc quand le Seigneur a parlé de ça en janvier, le Seigneur a laissé du temps aux hommes pour pouvoir se repentir afin qu'ils puissent enlever la guerre. Qui ça les hommes fait? Ils ont bouché les oreilles. Ils ont continué à lutter et gagner l'argent. L'Éternel dit, ah, c'est ça, ça t'as fait. Jusqu'à ce que la guerre est venue. Faites attention. Toi et moi, nous ne savons pas combien. Mais tième chose, nous savons, beaucoup d'innocents sont morts. Vrai ou faux? Le Seigneur n'est pas préoccupé. Il est préoccupé par l'obéissance, la soumission. Le Seigneur est préoccupé par l'obéissance à sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole du Seigneur, oui, il peut boire, manger sous la terre, faire ses affaires, mais il y a un jour qui vient. Il y a un jour qui vient. Mon frère, combien d'hommes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont écrasé les petits. Tu te rappelles, tu sais que tu vois, ils ont écrasé les petits. Ils ont passé les petits. Et les personnes, madame, tu as été faire des jobs pour celui-là, il ne pas payer là. Ouais, il fait là. Et alors, il n'y a ni pour payer. Il n'y a pas payé. Vous-même, comme vous pitié, vous ne pouvez pas vous mettre. Vous ne pas vous mettre. Vous ne pas laisser. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour juger ça? Il n'y a pas quelqu'un qui va juger ça? Oui, d'accord. Il prend l'argent là, il prend 50 euros là, il prend 30 là, il prend 30 là. Laissez-le pas lui, mais il ne faut pas lutter avec eux. Non, il ne faut pas lutter avec eux. Laisse pour eux. Il y a un jour qui vient. Si tu continues dans ce chemin, tu seras à droite, eux, ils seront à gauche. Et toi, tu vas regarder. Et tu vas te souvenir. Ah, c'est celui-là m'a pris 5 euros. Celui-là m'avait pris 50 euros. Celui-là m'avait injurié. Il avait même pris un bâton pour envoyer après moi.
Et donc je suis là, on est de l'autre côté. T'inquiète. T'inquiète pas. Tu sais, devant Dieu, le Seigneur, lui, il observe tout. Rien ne passe inaperçu. Donc, c'est ça la voie de la sainteté. Il nous oblige. Toi et moi, c'est notre obligation. Dans ce chemin-là, c'est ça. C'est la soumission. Pas un homme, pas au pasteur. Le pasteur n'a rien à voir là-bas. À celui qui est là. Que je ne peux pas voir, toi tu ne peux pas voir, aucun de nous ne peut voir, mais nous savons qu'il est là. À cette personne-là, toute la révérence, tout l'honneur et toute la crainte, toute la crainte, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Donc, devant le Seigneur, personne n'a raison. Devant le Seigneur, bien-aimé, personne n'a raison. Personne n'a raison. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit ça si bien, il dit, marchez selon l'esprit. Et c'est quoi l'esprit? L'esprit nous enseigne la soumission. L'esprit nous enseigne la crainte. L'esprit nous enseigne la révérence. Et ensuite il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite. Si du moins, tu vois, c'est pas la parole du pasteur. La parole, elle est claire et elle est puissante. Parce que l'esprit de Dieu enseigne que Dieu est saint, saint, saint. Et que ceux qui viennent adorer Dieu doivent savoir que Dieu est saint. Amen. Alléluia. Ceux qui s'approchent de Dieu, qui viennent, qui disent, ah oui, j'aime Dieu. Si tu dis tu aimes Dieu, tu dois savoir que Dieu est saint. Et que Dieu, il est carré. Ah oui, Dieu est carré. Comme tu vois, il a mis le soleil à droite, il a mis la lune à gauche, et il les a donnés, il a donné à la mer des bornes à ne pas dépasser. Et que la mer respecte. Le soleil aussi respecte. À plus forte raison, nous les humains, nous devons aussi respecter. Si nous avons tant de maladies sur la terre, c'est parce que rien n'est respecté. Quelqu'un dit pas amen? Ah. Si nous avons autant de maladies, autant de cancers sur la terre, c'est parce que les hommes ne respectent pas. Dieu respecte les hommes, mais les hommes ne respectent pas Dieu. Les hommes ne respectent pas Dieu. C'est pourquoi les hommes meurent. Les hommes meurent à cause de ça. Mais oui, les hommes meurent, bien aimé, bien, à cause de ça, parce que bien, ils ne respectent pas et ce que Dieu bien, et a placé, a mis en place. Ils ne respectent pas. Et là, et pour ce qui nous dit Romains et 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Romains, chapitre 3, la partie du verset 10. Pas Romains. 1 Corinthiens 3, 10. Il te dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. Je reprends la parole. Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. Il me dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, donc Dieu a donné à cet apôtre, à l'apôtre Paul, une grâce afin qu'il puisse bien
poser le fondement comme un sage architecte. Bien aimé, je vous rappelle que cet apôtre-là, qui a écrit ça, l'apôtre Paul, c'était un persécuteur de l'Église, de Christ. D'accord? Il allait, il prenait les chrétiens, les attachait, il faisait mettre en prison, ou les lançait dans la fosse au lion dans voilà. Il faisait des méchancetés à l'Église de Christ. Finalement, cet homme, Dieu l'a pris, l'a transformé et a fait de lui un prédicateur de l'évangile dont il était en train d'essayer d'éteindre. Qui peut essayer d'éteindre l'évangile? Aucun homme. Tous ceux qui se sont levés pour l'éteindre sont morts. Alors il te dit, le verset 10, comprenons. Il te dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et quel est le fondement dont il a posé? C'est Jésus. C'est quoi le fondement de ma foi, de notre foi? C'est Jésus. Quel est le fondement de notre foi? Et on va te dire, mais quel est le fondement de ta foi? Oui, tu crois, mais c'est quoi là, le fondement de ta foi? C'est quoi? Mais le fondement de ma foi, c'est Jésus. Jésus, le rocher des siècles. Mais oui, Jésus, c'est un rocher. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand tu étais petit garçon, tu étais petite fille, dans la cour de ta mère, de tes parents, il y avait une grosse roche là. Maintenant, tu es devenu un grand homme. Un homme, une femme, est-ce que la pierre est là toujours, la roche est là toujours? Si personne ne l'a enlevée, est-ce qu'elle est là toujours? Amen. Oui. Est-ce qu'elle a vieilli? Non. Est-ce qu'elle s'est fendue? Non. Est-ce qu'elle a bougé? Non. Une pierre, c'est quelque chose d'éternel. C'est pourquoi donc il prend l'exemple d'une roche. Une roche, ça ne bouge pas. Une roche, ça ne bouge pas. Une roche, c'est quelque chose qui est dur déjà. Pour commencer, une roche, quand tu vois comment la roche est fondue, comment qu'elle est fondée, de quoi qu'elle est faite, la roche est fabriquée du profondeur de la terre, bien aimé. Hein, elle est fabriquée du profondeur de la terre. Donc, il te dit, ça dépend comment, il te dit, comment il dit ça? Il dit ça, il a posé le fondement, comme un chargeur architecte, et il te dit, et un autre bâti dessus. Mais que chacun puisse faire attention de la façon dont il construit. Le fondement de ta foi, de ma foi, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre. C'est Jésus. Mais maintenant il te dit, chacun a une façon qu'il va construire dessus. Il faut faire attention à cause de l'apostasie. D'accord? À cause de l'apostasie. À cause de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la tromperie. L'abandon de la saine doctrine, adoptant une autre doctrine qui ressemble, mais qui n'est pas cela. Est-ce que tu as compris ça? Donc, fais attention à la façon dont tu adores Dieu. Parce que la façon dont tu adores Dieu dépendra, ton éternité dépendra de la façon dont tu adores Dieu. De la façon dont tu adores Dieu dépendra que tu entreras ou tu n'entreras pas. Ici, dans l'assemblée du Seigneur, le Seigneur nous a enseigné à enseigner la vérité. Je ne peux pas ne pas vous dire la vérité. Si je ne vous dis pas la vérité,
je serai, comment dire, il me redemandera des comptes. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous enseigner c'est quoi la vérité. Donc, Jésus, maintenant, fais attention à la façon dont tu construis, la façon dont tu adores Dieu. Fais attention. Alléluia. Fais attention à la façon dont tu adores Dieu. Qu'est-ce qu'il te dit? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Je vais vous dire une chose qui m'a surpris. Par le passé, j'allais chez les marabouts. On sait c'est quoi un marabout. Ça, c'est un marabout. Ça, c'est un marabout. J'allais chez les marabouts. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir j'entre chez le marabout et le marabout a sa Bible là. C'est pour que ça comprenne. Qui j'ai qui a trompé? Le marabout, il a sa Bible là. Je dis, bon, c'est bon, c'est bien si il a sa Bible. Regardez-moi comment que la tromperie se fait. Il a sa Bible là. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui l'invoque? Non. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'invoque? Qui va utiliser ce nom-là, Saint-Esprit. Il va ouvrir sa bouche, il va utiliser ce nom-là. Est-ce que tu comprends pourquoi il te dit, fais attention que personne ne vole ce que tu as. Il va le voler pour pouvoir l'utiliser, mais c'est dans la tromperie. Est-ce que quelqu'un peut voler le Saint-Esprit? Non. Il va utiliser le nom. Il va utiliser le nom. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, cela m'a surpris de voir qu'il y a une Bible là. Donc, quand j'ai vu la Bible là, cela m'a rassuré. Regarde comment, regardez qui. Mais bien aimé, ouvrez-le, pas tomber dans le piège là. Quand j'ai vu la Bible là, j'ai été rassuré. Et sache que le Seigneur m'a fait sortir de très loin. De très loin, afin que tu puisses comprendre que quel est le chemin que le Seigneur fait passer ses serviteurs, que eux ils ne savent même pas que le Seigneur est en train de les faire passer un chemin. Dès mon jeune âge, ma mère était mariée à comment on appelle ça. Ma mère était mariée, et comme c'est Haïti au Capitaine Ougan, ma mère était mariée à un gars comme ça. Oui. Oui, voilà, c'est même pareil là, c'est même assiette là, c'est même là. Ma mère était mariée à quelqu'un comme ça. Donc je sais de quoi je parle. C'est l'école que le Seigneur m'a fait passer. Des fois, je devais avoir 18 ans. Des fois, il y a des jours où il me disait Guy, je dis à midi, nous voyons parler du grand-papa. J'ai jamais connu. Mais oui, du grand-papa m'a venu, je dis à midi, nous voyons parler du grand-papa. Donc fini, mais nous voyons parler du. Quand l'heure est arrivé, donc il est là, il parle dans une langue que moi je ne comprends pas. Il me dit oui, grand-papa, là, oui. Et, vous comprenez bien. Bien-aimé, la tromperie. Garde ce que tu as afin que personne ne puisse voler ta couronne. Parce que cette couronne, c'est une couronne de grâce. Grâce mon Dieu, ça, je ne peux pas faire rien, mais il faut bénir. Puisque sache que Dieu n'a pas créé l'enfer. Pour nous, mais Dieu a créé l'enfer pour le tentateur. Et si
tu succombes, à la tromperie du tentateur, tu tomberas en enfer aussi. Alors que Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Dieu a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre pour toi. Mais sache que il y a quelqu'un qui est là qui peut te faire perdre, qui peut te faire plonger, qui peut te faire tomber, qui peut te faire rater. Et il te dit car, verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Donc, le fondement de ta foi, de ma foi, de nos fois, c'est Jésus. Comment nous posons nous, maintenant, comment que nous allons construire? S'il y a quelqu'un qui est dans la construction et qui connaît ça très bien, c'est Frère Willy. Frère Willy, lorsqu'ils ont fait le fondement, la fondation, maintenant, mon frère Willy, viens, voilà, tu veux voir le plan, comment que la fondation a été fondée, parce qu'ils t'ont demandé de faire ce grand chapitre, comment dire, charbon métallique, pouvoir poser dessus et ça va peser des tonnes. Toi, tu veux voir le plan. Laissez-moi voir la fondation, savoir si ça va supporter ce poids-là. Donc, il te dit, regarde comment que tu vas construire dessus. Le fondement, c'est Jésus, la roche, l'auteur de ta foi, celui qui nous a donné la grâce. C'est ce fondement-là. Maintenant, comment je construis dessus? Bien aimé, sache que si je prends Jésus à la légère, je suis en train de créer mon propre évangile. Est-ce que tu as compris? Je suis en train de créer un évangile qui n'a pas la crainte de Dieu. Un évangile qui n'a pas la révérence. Dans d'autres mots, un évangile faible. Un évangile faible. Parce que sache une chose, là où il y a la révérence de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu, les miracles du Seigneur sont là. Oui. Là où il y a la crainte de Dieu, là où il y en a la révérence pour Dieu, Dieu observe. Rappelle-toi, la terre est entre ses mains, il voit tout. Dieu sait si la révérence est là. Il sait si nous tous ici nous craignons ou nous ne craignons pas. Et ce que nous voulons, toi et moi, nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voulons? Nous voulons. Bien, mais quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, eh bien, mon frère, quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu es un homme heureux. Mais oui, tu es un homme heureux quand tu as la présence de Dieu. Parce que écoute, la présence de Dieu dans ta vie, c'est tout. Nous l'avons vu déjà depuis le commencement. La présence de Dieu dans ta vie, c'est tout. Parce que écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un bâtit sur son fondement, la parole de Jésus, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, il te dit le fondement c'est Jésus. Mais beaucoup de personnes conduisent et bâtissent avec divers matériaux. Il y en a ceux qui vont bâtir avec de l'or, ceux qui vont bâtir avec de la ferraille, ceux qui vont bâtir avec du bois, ceux qui vont bâtir avec du foin, ça c'est ça, foin c'est ça. Voilà. Et il y en a ceux qui vont bâtir. Chacun va utiliser un matériel pour pouvoir bâtir. Mais il te dit, sache que Dieu est un Dieu qui éprouve. Dieu est un Dieu qui éprouve. Si les hommes éprouvent, ce n'est pas Dieu qui va éprouver. Pourquoi vous en dites mon école? Pendant toute une année, à la fin de l'année, ça y est, il y a hein? L'examen. Il y a prouvé pour nous, effectivement, depuis la rentrée, est-ce que c'est mon tête? Donc il y a prouvé. C'est la même chose. Il te dit que la façon dont tu bâtis sur Jésus-Christ, la façon dont tu adores Jésus, la façon dont tu sers ton Dieu, tu seras éprouvé pour savoir que si cela, c'est exactement, tu l'as fait comme Dieu le voulait. Faites attention. Il te dit, comment
va éprouver. Dieu va éprouver cela avec du feu. Lis, mon Seigneur. Lis. Lis. Le verset 13. Le verset 13. L'œuvre de chacun sera éprouvée. La façon dont tu adores ton Dieu sera éprouvée. Donc il te dit que Dieu va éprouver la façon dont tu l'adores. Et il te dit que si la façon dont tu adores Dieu, c'est avec de l'or que tu as adoré Dieu, comment va-t-il se passer? Parce qu'il y a des édifiés. Comment va-t-il se passer? L'or va fondre. L'or va fondre, mais il sera là. Il ne va pas disparaître. L'or met de l'or à l'édifier. Qu'a fondre? Il va rester là. Ensuite, il poursuit, il te dit, si c'est avec de l'argent, tu as adoré Dieu. C'est à savoir que adorer Dieu, c'est j'en pas lié, j'en pas parler, j'en pas faire. C'est ça, il ne va pas parler d'adoration, chanter, c'est pas très non. Chanter, qui a fait partie. D'accord? J'en va parler puis les personnes, j'en va comporter comme. C'est ça, adorer Dieu. Hein? Donc, si tu as fait cela avec de l'argent, il y a un coup différent. L'homme de l'argent est différent. Qu'est-ce qui se passe? Ça fond, mais c'est là. Ça reste là. Donc ton œuvre sera solide. Maintenant il te dit, des pierres précieuses. Si tu la fais avec des pierres précieuses, elles vont. Elles viennent. Donc la pierre précieuse va noire aussi, mais restera là. Alléluia. Alléluia. M'appelle pas, c'est de la pierre, mais elle est précieuse. Elle restera là. Ensuite, maintenant tu as construit, tu as bâti avec du bois. Il vient éprouver. C'est quoi? Le bois avec le feu. Ça veut dire. Ça veut dire. Il n'y a pas rien, il n'y a pas rien. C'est pourquoi il te dit, il y a le chapitre là de Romains, il te dit, mais Seigneur, Romains, ils vont dire, ouais, Seigneur, nous n'avons pas adoré en ton nom, nous n'avons pas, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom. Ils ont fait des miracles, attention, ils ont fait des miracles, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Et là, le Seigneur va dire, écartez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? La tromperie est là. La tromperie est là. C'est-à-dire, il y a des miracles qui sont faits. Au nom du Seigneur Jésus. Mais que le Seigneur Jésus ne connaît pas. Ah! Est-ce que tu peux voir où va la tromperie? Miracle à fait en nom Jésus. Mais Jésus parle. Est-ce que tu as compris pourquoi je te dis? Chez le marabout, il y avait la Bible. Et vos pères, là, vraiment, ça là, écoutez, pas le moment, le moment. Tu as demandé de rappeler ces démons. Tu as dit, c'est un tel qui a venu, il dire, oui. Tu as dit, maman, maman, là, maman, 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 quand tu as mangé, quand tu as dit, maman, et c'est un tel qui a venu, il va dire, cinq. Après, tu as dit, c'est un tel qui a venu. C'est un tel, tu as dit, c'est un tel. Maman, il te rappelle ces démons. Est-ce que vous voyez la tromperie, bien aimé? Pas jouer avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Pour te voler la grâce, Satan va adopter toutes sortes de tromperies. Toutes sortes de tromperies. Là, on est dans la chambre où on est brouillé. Mettez-moi en table en salle là. Fermez la voiture là, et puis. Vous prenez 5 minutes pour brouiller. 5 minutes à l'âme, vous n'avez pas qu'à mourir. Si vous mourrez, c'est des volontés, mon Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Bien aimé. C'est ça l'évangile sainteté. Hein? C'est ça. C'est ça
avoir qui m'a dit ça et force pour mon Dieu, la foi pour mon Dieu. Mais oui, c'est puissant. Non, mais c'est puissant. Et c'est pour ça qu'il dit, écoute bon. L'œuvre a été éprouvée parce qu'il a été fait sur, avec du bois. Le frère, voilà, Raphaël, c'est la cendre, il n'y a plus rien. Il n'a pas fini de dire. Maintenant, quelqu'un a construit avec du chaume. Chaume, c'est qui là? C'est quoi le chaume? Chaume, c'est sec. C'est en France, il y aura planté zèle. Les voyez pas l'hiver, mais autant il y aura planté zèle. Et après, il y aura coupé, il y aura laissé sec. Et les secs, il y aura enroulé, il y aura fait des gros machins. Et il y aura metté la poulette, la neige, il y aura des flas en septembre. Il y aura des chaume. Donc il dit, monde qui a fabriqué l'adoration, il dit ça. Et l'intérieur qui a venu éprouver sa vie qui fait. Alors ça va passer. Dis-moi, pasteur. C'est même pas de la cendre. C'est même pas de la cendre. Non, c'est la poussière. C'est même pas de la cendre. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimé. Parce que nous avons la tromperie qui est constamment en train de guetter. Rappelle-toi de ce qu'il te dit. Il te dit que Satan, what? Comme il n'est pas le lion. Il n'est pas le lion. Il te dit, comme? Parce que le lion, c'est Jésus. Le lion, c'est Jésus. Et il te dit, il what? Comme? Comme? Ça veut dire quoi? Il a imité. Mais oui, j'ai bien aimé. Ce qu'il va faire, il va imiter. Et dans l'imitation, c'est ce qu'on appelle la apostasie. Tu t'imagines? C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que toi qui n'as pas la connaissance, tu viens, ah oui, mais c'est bon. Non, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Donc effectivement, il te dit, si l'œuvre, c'est-à-dire si la façon dont tu as bâti sur Jésus, il te dit, si après savoir que cela a été éprouvé et que cela subsiste, eh bien, tu vas recevoir ta récompense. Tu vas recevoir ta récompense. Or, ce que nous voulons recevoir, nous voulons recevoir notre récompense. Nous voulons recevoir notre récompense. Nous ne voulons pas venir à l'église pour dire que nous venons à l'église comme les personnes de, on va dire, comme les religieux. Vous voyez? On ne veut pas venir à l'église pour dire on vient comme des religieux. Non. Je viens à l'église réellement pour adorer. Je suis venu adorer. C'est pourquoi je dis que je trouve cela très bizarre, et c'est pas aujourd'hui que ça existe. Ça existe pendant des années. J'ai des dizaines d'expériences là-dessus. Quelqu'un qui arrête de venir à l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Automatiquement, il descend. Lui, le fait qu'il ne vient pas, il ne va pas s'apercevoir. Mais toi, qui es loin, tu vois que la personne est en train de descendre. Pourquoi? Parce que la personne a été aveuglé et il est en train de descendre. Il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Donc bien aimé, une chose que je veux te dire, quand tu viens ici, tu ne viens pas perdre ton temps. Quand tu dis tu viens ici, quand tu viens le mercredi pour prier ou quand tu viens le dimanche pour adorer Dieu, voilà, pour recevoir la parole de Dieu, ne dis pas que tu viens ici perdre ton temps. Non, tu viens pas pour ça. Tu viens pas perdre ton temps. Voilà. Et quand tu viens adorer Dieu,
laisse pas que quelqu'un puisse te voler ta bénédiction. Non. Ne permets pas. Ne permets pas que rien puisse te faire rater ta bénédiction. Parce que quand tu viens, tu ne sais pas ce que Dieu va te donner. Que tu en as besoin. Parce que comprends une chose. Quand Dieu te donne, il te donne invisiblement. Comment? Quand Dieu te donne, il te donne invisiblement. Tu n'as pas de travail. Tu pries, tu viens ici, des fois le vendredi, puis tu mets ton petit papier, tu dis, tu mets quelque chose dessus. Tu dis, Seigneur, maman, travaille, il te donne un travail. Tu viens. Et finalement, un jour, tu viens. Et ce jour-là, le Seigneur dit, c'est ce jour-là, il envoie l'ange ici pour te redonner ton travail. Tu viens, tu adores Dieu, tranquille, tu adores Dieu, tu es content, tu adores Dieu, oui. Il te donne ton travail. Tu pars avec ton travail. Est-ce que tu l'as vu? Non. Et tu es parti avec. Et dans la semaine, on t'appelle, et tel. Il y a un côté là, il y aura vraiment des monde pour travailler. Ça y est. Où tu l'as reçu? Tu penses que c'est le coup de fil qui t'a donné? Non. Tu l'as reçu ici. Alléluia. Bien aimé, c'est puissant. Mais sache que la façon dont tu adores Dieu compte beaucoup et comptera beaucoup. Ton entrée ou la fermeture de la porte devant ton visage dépend de cela. Alléluia. Encore 5 minutes, bien aimé, pour supporter le message du Seigneur. Mais il est puissant, n'est-ce pas qu'il est bon le message du Seigneur, bien aimé? N'est-ce pas qu'il est bon, bien aimé, le message du Seigneur? Alléluia. Mais le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne, bien aimé. Le Seigneur nous enseigne des bonnes choses. Mais vous comprenez, si le Seigneur ne nous enseigne pas, bien aimé, nous allons rester simplement dans l'ignorance. Dans l'ignorance, si le Seigneur ne nous enseigne pas. Romains, venez avec moi à nouveau dans le livre de Romains. Nous allons finaliser avec le livre de Romains. Adopté. Nous
Dieu. Nous pas de droit d'entrer dans le ciel. Non, on n'avait pas ce droit-là. Mais, bien aimé. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon, Dieu nous a donné cette possibilité-là, bien aimé. Donc, le fait que Dieu nous a donné cette possibilité-là, toi et moi, ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Lorsque nous faisons quelque chose à la maison, comment nous le faisons? Chez nous, quand nous faisons quelque chose chez nous. Ah oui, quand nous faisons quelque chose à la maison, nous le faisons bien. Donc, ce que tu fais pour Dieu, fais aussi pareil. Ce que tu fais pour Dieu, fais-le aussi. Bien-aimé, je vous ai déjà donné ce témoignage. Mais n'empêche que je vais vous le donner, bien qu'on puisse nous une petite minute, hein, et bien que je vais vous le donner, dans une église où on était auparavant, bien aimé, on nous a donné la responsabilité du bus. Parce qu'il était en bus. Et puis il est arrivé un moment, le bus là vous est né. Il dit vous êtes né de vous. Donc, comme il nous est né, on dit mon père, on dit l'argent, on va investir. On va investir dans le travail mondial, on va vous donner de l'argent. Donc, je vais où j'ai l'habitude d'acheter mes pneus. Alors je vais, donc on me montre deux types de pneus. Celui-là coûte tant. Celui-là coûte tant. Alors, regardez, t'as qui piché là, on dit non, on va aller là. Mettez là. Ça c'est mon cher. Bon, et puis je dis moi, ben, venez à tel les points et puis cela, il va y faire. Tu m'en dis. Quand je reviens, on va donner la facture. Mais non. C'est pas ça qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a qu'on m'a donné. C'est pas ça. Et alors, la dame dit, elle appelle celui qui a fait le travail, elle me dit, mais c'est ça bien que je. Je dis, mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé, le mon chien, celui-là. Ah, ils se sont vraiment embarrassés. Non, il est à sa montée. Ils appellent le patron. Alors, le patron au téléphone dit, il est client chez nous? Oui, 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 il est client chez nous, c'est chez nous, il achète ce pneu. Alors, le patron dit, bien, d'accord, pas de problème, mais donnez-lui. Cette nuit-là pour le prix dont qui avait été convenu. Les patrons ont dit ça, cet esprit parlait par un cas qui s'y est. Ne donne pas à Dieu la seconde place. Parce que Dieu, quand il te bénit, il va te bénir selon ta foi. Si ta foi c'est 1, il ne va pas te donner moins 1. Il va te donner exactement ta foi. Donc, donne à Dieu le meilleur, parce que Dieu, quand il te donne le meilleur. Et lui, il m'a dit, Seigneur, pardon. Mais Dieu est terrible dans mon fils. Donc, tu comprends, bien aimé. Le Seigneur nous a fait passer par une école. Il y aura pas les hommes passés par l'ENA. Mais ça, je ne sais pas, je ne connais pas le nom de cette école-là. C'est l'école de la sainteté, bien aimé. Parce que Dieu est élevé. Bien aimé, mettons-nous debout, nous allons finaliser. Ne donne pas à ton Dieu, petit, des miens. Ne donne pas à ton Dieu des miens. Donne à Dieu ton cœur. Tu comprends? Donne à Dieu réellement ce qui vient de ton cœur. Alléluia. Donc remercions le Seigneur. Parole à tes mains, nous disons, bien-aimé. Ah, parole à tes forts, parole à tes. Toi, la parole éternelle a toujours su. Ça me l'aime pas venir ici, bien-aimé. Pas plus vous que moi. Oui, parce que moi ici, bien-aimé, moi ici, vous allez voir, moi ici, eh bien, derrière le micro, je suis enseigné par ma propre bouche, bien-aimé. Donc, si toi, tu sors fortifié, moi aussi je sors fortifié. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons bien tout-puissant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette puissante, Seigneur, ce puissant moment devant ta face en ce jour, Seigneur, ce moment merveilleux d'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, toi, tu connais le motif, Seigneur, de tout un chacun. Et nous te demandons, Seigneur, de les visiter, Seigneur, là où est-ce qu'ils sont. Et que tu puisses qu'on puisse permettre, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun puisse comprendre, Seigneur, que le moment est à la préparation, Seigneur, avant que ne vienne la fermeture, Seigneur, de la porte de la grâce. Et nous te rendons grâce pour la présence de tout chacun.
de chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici. Et nous te présentons, Seigneur, les offrandes, Seigneur, nous te présentons les dîmes, Seigneur, ceux, Seigneur, qui t'ont rétribué, qui t'ont redonné ce don, Seigneur, ils ont partagé avec toi ce dont tu les as donné. Nous te demandons dans le nom de Jésus de bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus, avec la loi de la semence, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, soit ancrée dans nos vies. Ta parole, Seigneur, soit ancrée dans nos cœurs, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Nous te présentons aussi, Seigneur, ceux qui vont prendre leur véhicule afin de se diriger dans leur maison. Je te prie dans ton amour, Père Tout-Puissant, gardez tes véhicules, c'est les véhicules de tes enfants. Père, ceux qui sont à pied, Seigneur, qui prendront la route à pied, garde-les, couvre-les sous le sang de Jésus. Garde tes enfants dans ta paix. T'amène, Seigneur, tout un chacun dans leur maison, dans ta paix. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen et Amen.